Oguo mwen blese, ferayo mwen blese, se blese mwen blese, mwen pare sa mwen. Adewale, ton ambition me laisse perplexe, mais j'ai promis mon aide à Augustin. Qu'est-ce que c'est? Un manifeste contrefait, à ce qu'il paraît, écrit par l'une de tes fameuses recrues. Joachim François. Henri Marchand. Fortuné Jean. Bien. Je suis sûr que vous serez très utile à l'expédition. Louis Godin doit rencontrer le capitaine du port pour régler les derniers détails concernant cette expédition. Tu pourras en profiter pour substituer les manifestes. À ton signal, nous serons prêts à embarquer. Merci. Et merci à toi, Bastienne. Je suis dévouée aux marrons de Saint-Domingue. Poursuivons ainsi, et nous viendrons à bout des rats. Non, je suis venu rejoindre mes frères. Quelle belle de nous avoir fait part de vos recherches fascinantes. C'est à moi de vous remercier. Mais je dois maintenant me rendre chez le capitaine du port. Pour le bien de la science, naturellement. Bien sûr. Regardez-moi ces mules, si bien elles sont belles. Les enfants esclaves ne peuvent être séparément de leur mère. Arrête-toi. Pas question. Encore un qui ne peut pas se faire. Cette activité reprendra. Toi là-bas, reviens ici, le sourdingue. Le gouverneur de Fayet annonce qu'à compter de ce soir, un couvre-feu entrera en vigueur dans toute la ville. Les habitants trouvés dans les rues pendant le couvre-feu seront considérés comme complices des fugitifs. Plus nombreux seront les habitants respectueux de cette culture, plus tôt la ville sera libérée. Ma tête! J'ai mal! Pardonnez-moi mes péchés! Halte! Plus un geste! Bonjour, monsieur. Et bonjour à vous. Les préparatifs m'ont l'air d'aller bon train. Tous ces gens semblent si affairés. En effet. Comme vous pouvez le voir, mes hommes travaillent jour et nuit afin de tenir les colonnes.
Vous devriez avoir un bon navire, armé pour les besoins de la science. Vous en faites pas pour ça. Tout est en bonne main. Mais il reste la question de vos esclaves. Avez-vous les noms pour le manifeste? Oui, juste là. Suivez-moi, vous devez être impatient d'inspecter tout ça. En effet, je le suis. Le gouverneur de Fayet a fait appel à un groupe d'individus de grande valeur afin de traquer les esclaves. Qu'est-ce que ceci? Oh, ceci, c'est... rien de bien intéressant. Non, des fournitures nazies. Sans. Mais tout ce poids empêche d'emporter d'autres. Non, ces choses sont nécessaires. Je vous en prie, monsieur Godin. Je ne veux pas vous ennuyer avec ces détails. Souhaitez bonne chance à nos braves soldats, afin qu'ils puissent pensez que vous vous sentirez vraiment à l'aise. Vite, ne laissez pas regarder. Rattrapez-le. Faites-le tomber! Le pavillon noir. Ils n'en feront qu'une bouchée. Bon, allez plus vite! Ferlez les perroquets! Réglez la grand voile! Nous devons protéger ce navire. Français ou pas, les savants doivent arriver à destination. Nos frères à leur bord doivent s'emparer de leurs secrets. Ils valent bien plus que n'importe quelle cargaison. Aïe, capitaine! Nous sommes prêts à combattre. Avec des vents favorables, nous serons bientôt sur eux. Dans les bras, capitaine! Bon! Leur tir au frais mou. Ils en ont plus cette fois.
rejoindre Neptune. Augustin, une fois que tu seras formé et que nos recrues reviendront avec ses secrets de navigation, tu pourras explorer toutes les terres et y recruter qui bon te semble. J'avoue que c'est tentant. Et c'est pour Port-au-Prince que je me bats à dévoiler. Je ne dois pas me disperser. À tribord, cargaison à la dérive, capitaine. Alors forme une flotte de marrons. Crois-moi, je te suis reconnaissant à dévoiler. Ce navire est une bénédiction, et mieux connaître les mers aidera considérablement notre cause. Mais les marrons ne veulent pas d'un empire. Uniquement l'indépendance de notre territoire. Très bien, Augustin. Alors écoute-moi. Quand nous en aurons fini, quel que soit le nombre de tes navires, tu auras l'étoffe d'un amiral.